Et bah allons se fighter hein. Ah, ils ont fait un tag, j'avais pas vu. Un tag sur le maître des portes. Sur le poster du maître des portes. Une heure pour le boss final, ça devrait aller. Ouais, on va voir. Je visite, je regarde si j'ai rien à récolter avant de partir. On fight. Ok. Oh là là, je suis sûr on va se taper des gros molosses comme ça, en ad. Je t'avais à l'œil. Ah, la langue française qui fait défaut. Jeu de corbeau. Je ne pensais pas que nous en arrivions là. Et pourtant c'est le cas. Chacun de mes semblables a été créé par le maître qui lui précédait et entraîné à assumer ses fonctions avant sa mort. Le jour de notre création, la date de notre mort nous est annoncée. Mon prédécesseur, mon créateur, était un tyran cruel, obsédé par les règles et l'ordre, par ce qu'il appelait l'ordre des choses. Ce vieux cinglé ne m'a jamais donné de nom, tu imagines un peu? Comment vivrais-tu si tu connaissais la date exacte de ta mort? Si chaque instant de ton existence dépendait de cette fin? J'ai dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour me préserver. Je sais ce que j'ai fait est immoral et difficile à justifier, mais je ne peux pas me laisser mourir. Je refuse de partir sans me battre. Alors, jeune corbeau, es-tu prêt à te battre pour ta vie? Comme je le suis. What the fuck? De PV. Pardon. Oh, c'est quoi ça? Pour l'impact, un HP pour la chute. Évidemment, bienvenue, bien vu. Bienvenue, ça fait un jeu bien. Oh là là, il va me faire passer dans tous les mondes. Oh
Le monde des crapauds là. Après la montagne. Wow. J'ai pas signé pour ça hein. La montagne de bois. What the? Hey! D'accord, ok, il fait comme l'autre. Allez, on se barre. Ok. C'est largement faisable. Bon, là j'ai pris beaucoup trop de dégâts, mais. Enfin. Trop. C'est relatif. Mais c'est faisable pour la suite. Ça. Ouais, question c'est un checkpoint? Non, je pense pas. Il va me popper à la jolie, il va me casser la figure. Oh, il y a un peu de bazar au bureau aujourd'hui. Ça t'a régène? Ah, j'ai pas vu! Oh, t'es dommant! Ça veut dire que c'est le vrai fight! Pourquoi ça nous l'a, jeune corbeau? Pourquoi est-ce que j'existe? Pour suivre les traces des maîtres des portes avant moi? Pour refaire sans cesse les mêmes choses? Dans quel but? À quoi bon? Nous devons tous mourir un jour. Ah oui, c'est parce que je suis arrivé dans le spawn du coup. Moi je ne le saurai jamais. Parce que je ne mourrai jamais. Ah, là c'est le vrai fight en fait. C'était un fight... C'était pour l'échauffement tout à l'heure. Le dernier maître des ports. Ah, c'était l'échauffement en fait. Oh merde. Eh, ça va là. Ah ouais, il va refaire tout ce que les autres boss ont fait déjà. Oh, et en plus de ce qu'il fait lui. Oh là là, ça va être un peu galère, garçon. Il va où? Ah mais ça c'était un des boss aussi qui faisait ça. Ah il a baffe. Oh il est faisable. Alors par contre la vraie question c'est est-ce que ça me relance Ouf. Il est largement faisable mais par contre ouais. Faut esquiver juste au bon moment. What? Mais non, mais c'est... Sure. Ah bah, il y a 2 points de vie. Ouais, super. Non. Ok, il faut esquiver. Je roule dans les tombes. Non. Oh. Ah, l'impact aussi. Ah. Tu es mort. L'impact aussi, faut que je fasse attention, ok. Allez, petit oiseau. Sinon, on se bat avec le parapluie ou comment ça se passe? Genre, le mec il a sorti le parapluie dans le jeu, je ne comprends pas. Non! Il me la fera à chaque fois à l'ouverture, je pense. Il
le fera à chaque ouverture parce que je suis en distance en fait. Vu que je suis en distance, il charge. Ah, genre le pattern. Oh, j'ai 2 PV. Oh, oh là là. Ouais, full merde. Full merde. On recommence. Par contre, la levée, s'il vous plaît, plus vite. Là, on sait pas avoir de quoi. Voilà. Ah ! Je l'ai raté. Enfin, je l'ai pas raté justement, c'est le problème. Non, le cheval. Non, c'est un taureau. Hein. Aïe la baffe. Aïe la baffe. Aïe la baffe. Aïe la dernière baffe. L'animation, faut que je l'esquive, faut que je. Voilà. Juste, cette phase sur au corps à corps, je peux la gérer. Faut juste que je tempo correctement les attaques au corps à corps. Sinon, je fais. Attaque au corps à corps, tranquillou, et je charge les flèches, et comme ça je fais une tempo avec les flèches. Je vais faire ça. N'importe où. Merde. Ah, mais je fais de la pauvre en boîte. Ah la boîte, la baffe. Il n'y a pas tant de choses en fait esquivables. Donc à esquiver. Donc c'est faisable. C'est faisable. Faut juste que je fasse attention au truc rose. Ça c'est genre le truc easy peasy. Et les baffes au corps à corps. Et ça, c'est faisable. C'est plus facile qu'avec Betty. Pardon ? J'ai surpris les dégâts d'atterrissage. Merde. Non ! Attention au porto. C'est ça en fait, il faut danser avec lui. Merde. Ah là on a le bon tempo. Ok, j'ai le truc, j'ai le truc. Hop ! Oh, justesse. What ? What ? C'était pas au menu celui-là ! Oh, bien.
sans la fin pour Tommy, ouais. Non! Putain. Et voilà, il a fallu que je lise ce que tu écrives et voilà. Et voilà! Et voilà! Putain. On y est, on y est, on y est. On a le bon truc là. On a le bon truc. Allez, on est bon. Juste que je me précipite pas. Ah, quand je suis trop loin, du coup, il me charge. Bah, oui. T'es chaud au cul quand même. Non! Il prend des dégâts inutiles. Oh. Ah mais il commence à être vraiment vénère! Il fait des avos de ouf! Sinon il crache jamais lui. Yo fusée. S'il te plaît, parle à moi. Nous pleurons aujourd'hui la perte d'un être qui façonnait l'essence de même de notre monde. C'est la fin d'une lignée, le dernier maître des portes. Pour certains, c'était un chef mystérieux. Pour d'autres, un nuage obscur qui planait sur le monde. Poussé par le désir d'être encore plus grand que son créateur, on se souviendra de lui pour son rôle dans l'évolution de la technologie des portes. Sa capacité à maintenir l'ordre dans un monde à l'agonie. Et la détermination farouche dont il fit preuve pour échapper à la mort. Quel qu'en fût le prix. Sa quête était peut-être insensée, mais son désir de vivre était tenace. Qui sait ce que nous aurions fait si nous avions eu à faire les mêmes choix? Inclinez-vous en sa mémoire, rendez-lui un dernier hommage. Son temps dans ce monde est révolu.
Devs d'or. Et ben voilà! Une grande aventure quand même! Pour un petit jeu, une très grande aventure, je dirais. Un très très bon jeu. Très bon jeu, pour le coup. Omar a échoué. C'est vraiment cool. Ouais, moi je trouve que pour un jeu, encore une fois, un jeu indépendant, voilà. Alors là, il y a bien plus de monde que Omno, hein, mais la qualité est là, quoi. Et c'est un truc de ouf. C'est... Tu te dis, waouh, waouh! Il y a des jeux aujourd'hui AAA qui ne sont pas du tout de ce niveau. Quand tu vois Hades, quand tu vois ça, tu te dis, waouh. Mais Devolver Digital, ils ont déjà fait des bons jeux, hein, je crois. C'est pas eux qui ont fait Hades, d'ailleurs. Ils en ont déjà fait des connus... Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va regarder après. Mais ouais, Devolver Digital, c'est une très bonne boîte. C'est une très bonne boîte. Hades, c'est qui a fait ça? Ils ont fait beaucoup de gros jeux, ouais, je crois aussi. Ils ont fait... C'est pas eux qui ont fait Red Dead, je crois. Mais en jeu... niveau indépendant, enfin niveau qualitatif indépendant, enfin c'est un truc de ouf quand même. Est-ce qu'on peut bouger là? Non. Ah, on peut diffuser, on peut accélérer. Ah, c'est pas mal. Super Giant Games pour Hades, d'accord. Added with Unity. Thanks for playing. Nice. Il y a une clé. Ah, la fameuse clé pour la porte. Ça se trouve. What? Pourquoi on est là? Nous n'avons plus accès au coffre des âmes, mais je peux utiliser ton énergie animique pour améliorer tes compétences de combat. Ah, le nouveau bureau, il est ici. C'est énorme. D'accord. Mais comment on fait pour repartir là-bas? Attends, il y avait une porte, on va essayer d'y retourner. Ça fait quoi là? Oh, c'est tout rouge. Dire quoi, c'est tout rouge? C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à faire? Devolver, on fait Fall Guys. Ah oui, c'est ça, c'est Fall Guys que j'avais. Ça me rappelle évidemment le loading de Fall Guys. Tu as trouvé une clé de clocher rouillé. Mettre la porte et de laisser tomber. Ah, est-ce que ça serait pas la fameuse clé que je cherchais? Pourquoi c'est rouge? Les portes sont rouges parce que le truc est ouvert. D'ailleurs, quoi rouge? Du coup, on va aller là. On va aller où il y avait... Je sais pas si la clé qu'on a ramassée, si c'est pour le truc justement le, qu'on voulait ouvrir. Hein, tu vois. Si c'est pas le cas, bah, on laisse tomber. Hein. Ah, non mais... C'est pas possible. Jusqu'à la fin, je vais me perdre. Il y a une échelle. Voilà. Il faut vraiment un minimum pour ce jeu, mais c'est clair. Est-ce que c'est pas la clé que je viens de ramasser pour celle-là? Ah, vas-y. Il y a quoi du coup en haut du clocher? Ça veut dire qu'on accède à un autre monde? What?